cinquième coupe européenne. Tous les concurrents commencent à arriver. Ça se prépare, c'est la pesée. Ils sont à l'ombre parce qu'il fait un temps merveilleux. On discute. Un Brun qui est là pour la première fois. Et ça discute, nos Belges. Jean-Pierre à la pesée. Et on vérifie. Toujours Jojo qui est au poste. Dédé perplexe. Conneur à Brigitte qui sera pour la frire. Des jolies petites. Bien, eh ben on est le 1er juillet. La cinquième coupe européenne vient de commencer. Je viens d'effectuer les trois premiers remorquages. Ça se présente pas trop mal. Il fait beau. Un tantinet orageux. Il y a mon ami Dédé qui vient me donner un petit coup de main car cette année, malheureusement, j'ai pas de mécanicien. La série suivante, on a quelques habitués là, mais il y a quelques nouveaux aussi. Il fait beau. Harvey Sanchard va partir, il était aidé par Patrick. Un point de décollage. C'est bon. Voilà, vous avez entendu, c'est bon. Et c'est parti. Voilà, ça se poursuit à peu près normalement. Il est 10h15. On démêle quelques ficelles. Toujours Dédé, fidèle au poste, qui mêle. C'est un peu plus orageux qu'hier. C'est la cinquième série qui va partir. Voilà. On va voir la pub qu'on fait. Nickel hydrogène, nouvelle batterie, ils sont à bord, j'essaye. Voilà. Voilà, ça va décoller. C'est François Gaïd qui démarre. Voilà, c'est parti. Là, il y a du monde, il fait très beau. La banne. Bon, je suis venu par ici pour essayer d'avoir le soleil dans le dos. Prendre un peu l'activité de la régie. Les gens se balancent, le parc à planeur. À force du remorquage, on ramène le pilote à la base A pour qu'il puisse ajuster dans sa vitesse. Alors c'est peut-être pas un exercice de haute voltige, parce que pendant ce temps-là, le planeur il fait presque ce qu'il veut derrière. En l'occurrence, c'est une équipe italienne de père et le fils. Ah, ils se mettent devant lui. C'est Jean-Claude Audet qui va partir. Alors j'ai essayé de filmer sa vitesse, je me suis placé là exprès. Décollage de Jean-Claude. Alors j'ai essayé de le suivre. Voilà, c'est parti. Voilà, 150 mètres vient d'être franchi. Largué. On entend un peu le groupe électrogène. Oh, parti. On voit à peine les ailes travailler. Clac. Voilà, formidable. Il perd pas de temps derrière la base B. Je vais peut-être pas avoir le chrono tout de suite. Et voilà. Combien il a fait? On l'applaudit. Voilà, il se pose 32 secondes, c'est la meilleure vitesse ce matin. Là, il fallait s'y attendre. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on appelle du pilotage. Là, il commence à faire chaud, les remorques auront chaud. Et on commence seulement. On va pas s'en plaindre, tant mieux.
C'est mon pote Dédé Prélis qui va partir. Voilà, là c'est mon petit gars qui est venu faire un petit câlin avec son papy. Il y avait des mouches qui nous embêtaient. Voilà. Allez, on va continuer. Hop, la mouche. Ah, le couple gourdait. En vitesse, donc c'est Brigitte qui pilote. 150. Alors là, ça vaut la peine de les regarder. Il n'a pas l'air de trop lui gueuler dessus. Si, si, il faut absolument qu'il cause. Alors Jean-Pierre Lalaurie qui va partir. Ah, il a l'intention de faire que fort, on va voir. Voilà. Et ça part pas. Enfin, c'est parti pour Jean-Pierre. Ah, ça va pas tarder. On va. L'altitude. Allez, il s'engage. Un demi-tonneau. Tac. Ah, c'est net. Ah, ça paraît pas rapide. Ah, 39. C'est pas le meilleur temps ce matin. Voilà, on est parti pour l'après-midi du lundi. Et c'est la durée. Pour l'instant, il fait toujours très beau. Les gens se prélassent. Là, l'éclairage devient favorable pour photographier la vanne. Le décor est somptueux. Vous avez entendu un planeur siffler. Il y en a un qui se pose en vite fait bien fait parce qu'il a dû faire son temps. Le Sancy qui est là-bas. Alors voilà. Je continue mon panoramique. Voilà, et quand les gens comme ça sont prélancés, c'est que ça va bien. Ben, Brigitte qui va partir. On est dans la deuxième durée de lundi, toujours. Jean-Claude, regardez, il a des admirateurs. Je suis un peu loin pour le prendre parce que je reste en piste. Voilà, la ville ensemble. Une belge là. C'est le père qui est derrière, qui tient sa casquette. Ah, c'est mon pote Dédé qui va partir. Aidé de mon fiston. Et Daniel Audibert qui va le tirer. Voilà. Parti pour Dédé. Et moi ça vient. Hein. Ah, Dédé qui passe. Voilà, elle va être par là. Parce que leur morceau est bien monté. Oh, t'as un coup dans le vide. Tu repars à droite. Hein. Oh. Viens de la droite. Là. Voilà, comme ça. Laisse ton émetteur tranquille, Dédé. Tu vas sentir. J'ai parié, mais je me suis trompé. Voilà. Combien, Jean-Louis? 10 minutes. Regardez si tous les visages sont tendus du même côté. 100 mètres. Belle, j'en ai. Bon, on est mardi matin. Hier, on avait chaud ce matin en caille.
Ah non, quand même pas fiction. Mais si. Et heureusement qu'on a du petit café en piste, tout ce qu'il faut, voilà. Hein, ici, faut courir. J'espère qu'il va pas pleuvoir. On est toujours en vitesse. C'est Borde qui remorque avec son piston aidé. Le sens y est brumeux, on a même l'impression qu'il pleut là-bas. Bon, bah effectivement, il pleut. Et les premières gouttes commençaient à apparaître. On avait fini la vitesse, il était presque midi. On commençait à s'inquiéter sérieusement. Mais ça fait rien, vous allez voir Madame qui court et nous allons préparer la soirée du mardi soir qui fut charmante. Je vous ai laissé le plus charmant, mais la chorale était très très bonne. Il y avait de très bons classiques, très bonnes chansons classiques.
Et le mercredi, c'est relâche. C'est la traditionnelle sortie en autocar, le plus grand nombre possible. Le beau temps était revenu, après cette mardi après-midi pluvieuse. Et cette année, nous avons été flâner dans la ville de Vichy. Alors beaucoup, on s'est promené, on a léché les vitrines surtout, on a été dégusté de l'eau. Et tous nos amis belges, évidemment, ont regardé les vitrines, comme vous allez pouvoir le constater. Voilà la Belgique, accompagnée de Madame Neveu. On n'a peut-être pas eu assez de temps pour faire tout ça, mais, voyez, ils ont l'air très intéressés par les vitrines. Ils ont trouvé la ville très jolie. On a fait l'après-midi une petite balade en train. Voilà. Et là, c'est le restaurant vers lequel on se dirige, car il est déjà midi et demi et on a faim. Les modélistes mangent vraiment très bien. Voilà le restaurant. Vous pouvez lever vos verres. À la santé. Voilà, levez vos verres, ça fait mieux. À la santé des ramiers, à la santé de la mutuelle. À la cinquième coupe européenne. Allez, tout le monde essaye de monter dans le train. À une minute de l'eau, là-bas, il va prendre deux places, lui. Complet, on se serre. On serre les cuisses. On zappille. Promenade. Le train est parti. Comédie, opérette, ainsi que des galas chorégraphiques, récital, conférences, séances. 1903, a grandi en 1933, soit 10. Sa construction est ultra moderne, il peut recevoir plus de 35 000 curistes par an. Continue. Ça, on vient de descendre du petit train, on a tous été bousculés. Bon, c'est ce qu'on appelle une petite visite éclair sur Vichy. Marianne. Marianne. Mais si, tiens, tu vois, je te vois. Regardez-le où ceux qui sont partis. Ah oui. Ah oui. Alors, la voile où ça mène. J'ai pas vu Dédé. Alors là Dédé. Il est à l'envers en plus Dédé. Ah c'est pas vrai. Il est là Dédé en l'envers. Et Morissette. Hier des deux là, hein. Tour là. On est déjà en retard dans notre voyage. Ah nos retraités là, ils ont bonne mine. On va essayer de rattraper la manche qu'on n'a pas pu faire mardi après-midi. On est un peu plus tôt, là il est 9h moins quart et le premier morcage va commencer. Il fait un temps absolument très très beau. Là tu passes au soleil, les gens sont installés et François Gaïd couvre les festivités. Attends, je vais nous faire quelque chose de bien. Hein. On va décoller dans ce sens-là, face au vent théorique. Parce qu'il n'y a pas de vent ce matin et on va atterrir de l'autre côté. C'est parti pour François Gaïd. Espérons que tout va bien se passer et qu'on va pouvoir rattraper notre retard. Alors là, c'est Monsieur Audet, Jean-Claude Audet, qui va partir pour sa première vitesse du matin. On va voir ce qu'il fait. Ça va être le test pour la journée, ça. Et qui vient en piste, c'est que les altimètres marchent pas bien. Bon, pour l'instant, ça se déroule très bien. J'espère que ça va continuer. Le compère, là. Regardez la belle brume qu'il y a sur le Sancy. Non, ou alors
C'est bien ce que je disais quand Didier vient, c'est que les altimètres vont pas bien. Là, je pars en deuxième. Là, voilà. Il est 10h30 et on part pour une épreuve de durée. On va essayer de rattraper ça jusqu'à midi pour rattraper l'après-midi de mardi. Pour l'instant, il commence à faire drôlement chaud. Mais qui s'amène gentiment sur la piste pour plier. On les bouscule un petit peu. Mais il faut bien. Allez, mon Dédé. Fais-nous quelque chose de bien, hein. C'est parti pour Dédé. Il va avoir fait des progrès à la fin de la séance. Et les gars, on m'a pété le fusible. Allez, Yves Bourgeois, en piste. Ça, c'est un peu à contre-jour. Oui. Pour l'instant, il a pas mal accroché. On va finir sur lui, là. Regardez, c'est anxieux, ça pompe. Écoute bien le conseil. Voilà, ah. Allez, c'est noir. Il va avoir fait des progrès quand il va rentrer parce que, point de vue pilotage, il va falloir qu'il s'améliore. Voilà, gauche, c'est bien, on lui dit. Mais là, la Belgique. Il est 1h30, à peine passé. Il fait toujours une chaleur écrasante. Et on va tâcher de rattraper le temps perdu de mardi. Voilà. Évidemment, ôter l'objectif, on voit l'atmosphère qui danse. Et c'est magnifique. C'est mal parti tout à l'heure. C'est mieux. On est en pleine chaleur, on va prendre des coups de soleil. Et toi ? L'équipe italienne. Père et fils chronométré par Nathalie Chansard. Aidé par madame en plus. C'est notre... Il en a une chance, oui. Hein? C'est bien, là, oui. Comme d'habitude, nos amis du midi sont équipés, glacières, eau fraîche, tout ça. On a tout ça sur la piste, petit parasol. Là, on a des visiteurs hollandais. Ce sont des modélistes en plus. Puis mon ami Dédé, là, qui me sert de mécanicien. Regardez s'il force. Je trouve que les mécanos, ils ont une sacrée bonne place ici, moi, les mécanos. Drivé par Jean-Pierre. Regardez s'ils sont beaux. Et là, il y a madame qui est derrière. C'est pas souvent que madame est derrière. Oui, oui. Allez, Dédé au décollage. C'est parti pour Dédé. Je dirais qu'il manque un petit peu de tour en remorqueur. Hein. Regardez le décor, on va le mettre juste dans l'axe de la vanne. Ah, encore un petit peu. Encore un petit peu. Voilà. La vanne sur son chapeau. Il a ramené ça en Italie. C'est Yves qui va partir. Belge, allons-y la Belgique. C'est bon. Et c'est parti. Et toujours notre ami là-bas. Il s'y tient, il est en train d'accrocher et il a des guides. C'est là qu'on aperçoit qu'il y a du monde autour, il devrait y avoir que trois personnes. Mais non, regardez voir. L'esprit d'équipe joue à fond là. Frappe à droite. Filme pas souvent en fait. Aider de son bungalow de fils.
Hein, regarde ça s'ils sont beaux quand même. Avec la banne derrière, non, c'est le 106 qui est derrière. Où qu'il en est, mon Dédé ? 4-10 seulement. Ah, oh, zut. Fréquence 35-170. Oui. Le 4, fréquence 41-170. Allez, on va attendre, écoutez-nous, on est en train de s'engueuler. Regardez. Regardez, c'est dur le vol à voile. Vous voyez les figures crispées. L'anxiété se lit sur les visages. Puis il y a son pote derrière qui lui fait les commentaires. 180. Ah, eh ben oui. Voilà. Ah. À plat, à plat. De côté ou de l'autre, on est à plat. Voilà. Je pense que ta dérive, elle est là. Donc, tu es obligé de dériver. Tu es obligé de venir vers ta droite. De côté ou de l'autre, on peut t'en faire une main. Hé, hey, bouge la radio. Regardez-moi ça, s'ils sont beaux. Et allez, enroule ça c'est comme parfait. Il faut. C'est parfait comme tu as dit. Je n'ai rien à te dire. Voilà. Comme ça, il y a 8. Je n'ai rien à te dire. Ça suffit. Un peu dans les autres étages. Tire pas trop fort sur ta cigarette. Notre ami suisse, il va s'en rappeler de sa coupe européenne. Voilà, continue. Mais c'est parfait, il n'y a rien à dire, mais il faut continuer. Alors regardez comment descend un planeur qui a pris un peu trop de badin. Il a un joli dièdre. Hein. Regardez-le bien quand même. Regardez-le, oui, parce qu'il va falloir qu'il se pose maintenant. Hein. Voilà, il commence la prise de terrain. Il va pas faire la piste. Il va faire l'atterrissage. C'est Paris. Ici, il va faire l'atterro. Attention, atterrissage. Faites attention. Oui, oui, oui. Doucement, doucement. Doucement. On est à 200 mètres de l'atterro. Très bien, très bien. Très bien. Voilà. Très bien. La piste. Ouais. Voilà. Et en plus, dans la cible. Ça, c'est beau. En vitesse. Et il y a monsieur Eudet dans le coin qui est là. Voilà, qui est en train de finir sa durée. Il y a du monde qui l'aide. Bon, bah, c'est le dernier jour, c'est vendredi. Tout le monde a l'air un peu nerveux ce matin. Cependant, le temps est beau, mais c'est le dernier jour. Tout le monde veut bananer l'autre. Et il y a une très grande nervosité dans l'air. Il y a un remorqueur qui est plié, malheureusement. Bon, voilà, il est exactement 11h. On a commencé à 10h30 l'épreuve de durée. Alors, tout le monde est anxieux, regardez. Tout le monde est un peu nerveux ce matin. Le dernier jour, tout le monde est nerveux. Surtout que le paysan voisin vient de nous accuser de détériorer son champ. Alors là, ça nous fait doucement rigoler. On va tâcher de se calmer. Oups, il va me mettre en route. Hein. Je vais être obligé de le décaler de son siège, hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Pauvre Dédé, hein, quand même. Ah. Il y a Nathalie qui fait sa durée. Pas Nathalie, pardon, Brigitte. Elle est toujours très entourée, cette petite. C'est vrai qu'elle est bien passée. Pour l'instant, elle est cinquième. Et évidemment, c'est pas mal. Bon, eh bien, voilà, c'est la dernière ligne droite. On est vendredi après-midi. Et c'est Patrick Grégoire qui vient de partir en durée. Et il y a une magnifique buse au-dessus de lui, là, devant lui, comme vous le voyez. Et s'il fait pas ses 8 minutes, alors là. Et puis en plus, il y a monsieur Deck qui est à côté de lui. Il va lui donner des conseils judicieux. Il fait beau, c'est un petit peu orageux. On est un peu fatigué et tendu. Mais ça devrait aller. Si les remorqueurs tiennent le coup, ça va être superbe. Tout le monde s'installe pour faire sa petite sieste. Les accompagnateurs, bien sûr. Voilà l'atterrissage.
Et alors vous voyez, on amène le démarreur vite fait bien fait pour essayer de ne pas perdre de temps. Voilà, c'est mon ami Dédé qui est mon mécanicien. Enfin, qui est le mécanicien en général d'ailleurs. Et vous voyez, avec un démarreur, ça démarre du premier coup. Un petit réglage, les moteurs sont assez capricieux. Voilà. Comme d'habitude, évidemment, on est à 900 mètres d'altitude et il fait très chaud. Voilà, c'est parti pour le dernier concurrent de cette manche-là et je vais tirer. Jean-Claude Audet qui vient de partir en durée. Pour l'instant, les durées, c'est un peu archaïque parce qu'il y a du vent. Et les pompes sont plutôt horizontales que verticales. Il est tout seul, Dédé ? Ah non, non, il est aidé par RCM. Non, c'est le gourdeau. Ah oui, mais il y a RCM. Tiens, là, il va le tenir. Alors, on profite du soleil de la dernière après-midi. Tout le monde est relax. Le décor est aussi somptueux. Les drapeaux volent au vent. Et malheureusement, la cinquième coupe européenne va bientôt se terminer. Alors, c'est Brigitte Gourdet qui vient de décoller. Elle va être suivie pour une fois par son mari. Par Daniel, c'est très rare. Hein. On va voir lequel des deux fait les 8 minutes. Pour l'instant, ça paraît assez haché comme pont. Il est en train de surveiller ce qu'elle fait. Brigitte, elle est drivée par Jean-Claude Audet. Dans le remorqueur qui vient de passer à mes pieds. Encore, on n'entend pas bien ce que raconte Jean-Claude à Brigitte. Voilà. Le mari a décollé, il est derrière toi. En train de chercher, c'est pas évident. Un CDD qui part, il a essayé de suivre le train de Daniel, si tout ça c'est bon. Voilà. Dédé vient de partir. Et que c'est dur de la voile, un petit peu à gauche et on guide leur remorqueur. C'est très difficile cet après-midi, c'est très haché. Voilà, 200 mètres. À eux de jouer. Faire si vite, car regarde, il y a Patrick qui le tire. Il paraît un peu anxieux, le petit. Voilà, allez, décontracte. Voilà ma série qui arrive. Enfin, je ne vais pas pouvoir prendre son atterrissage. Si l'œuvre là, c'est ça qui va me faire la cible. Je le cherche. Je le vois pas arriver. Si l'œuvre là, ben, je sais pas s'il est dedans. Madame Moulon dit Nénette, elle aide son mari. Ça c'est bien, on l'a jamais tant vu en piste d'ailleurs. Ah, des femmes ça, ça, épatant. Notre doyen.
vécu, vous avez bien volé, vous êtes bien entendu, vous êtes bien amusé, tout ça. Eh bien, la Coupe européenne, c'est ça. Tout au moins, je l'espère. Donc voilà, la 5e Coupe européenne se termine. Et c'est très vite, j'ai trouvé que ça allait très vite cette année. Oui. Hein, c'est vrai, le temps a passé une vitesse extraordinaire. Je remercie la présence de Madame Anne Berland qui est là, du représentant des mutuelles des tabacs et des allumettes, Monsieur Collas. Voilà, on a bien un petit maire de Saint-Saul. Bien. Bon, je vais dire un petit mot cette année. Pardon, excusez-moi, je suis un peu émotionné. C'est la 5e Coupe européenne, donc, je dis bien. C'est la première fois que nous avons tant de concurrents. On était 30, on aurait dû être 32, on était 30. C'est beaucoup. On s'est aperçu avec mon équipe qu'on ne pourra pas aller au cours de là de 36 ou 35 pour faire des contrôles. Hein, parce que vu le, si on a des intempéries, vous avez vu, on l'a rattrapé, tout a bien fonctionné. C'est formidable. Alors je disais donc la 5e Coupe européenne. Cette année, c'est le 20e anniversaire de notre club des Ramiers de Châteaudun, où j'ai eu autour de moi une équipe très solide, très soudée, petite équipe, bien sûr, mais qui sans eux, il n'y aurait pas de Coupe européenne. Hein. Il faut absolument qu'on soit très solidaires les uns des autres. Donc c'est le 20e anniversaire du club. C'est ma 10e année de présidence au club de Châteaudun. Et dans un mois et demi, je vais tirer mon 10e championnat de France. Vous savez, le championnat de France a été créé aussi par nos soins. On a eu du mal à mettre ça sur pied. Le championnat de France, c'est parti de nous, c'est parti du premier Châteaudun en 1981. Alors, est-ce que quelques-uns s'en souviennent, bien sûr. Je parle comme ça, je crois. Hein. Voilà, c'est un petit historique que je voulais vous faire. Bon, et puis vous avez ici, alors vous avez vu ici comment on l'a reçu, tout va très bien, le centre est merveilleux. Je remercie toujours, je ne remercierai jamais assez d'ailleurs la mutuelle des tabacs et des allumettes de nous donner un tel contexte pour pouvoir voler et faire quelque chose. Et ils font encore des améliorations pour les années plus dures. Donc j'espère qu'il y aura la 6e, la 7e, la 8e et qu'on fêtera la 10e Coupe européenne un jour. Vous avez tous apprécié, hein, je pense à sa juste valeur. On a fait une petite sortie mercredi. Bon, je sais que dans l'ensemble, elle était un petit peu moins appréciée que les années précédentes, mais il est assez difficile de se renouveler. Hein, vous savez que la première place, on connaît qui en connaît, la première place est toujours très difficile à garder. Et ma foi, bon, on essaiera de faire un petit peu mieux l'année prochaine. D'ailleurs, on a déjà des projets et on cogite déjà pour la 6e Coupe européenne, je vous le dis tout de suite. Bon, voilà, ceci dit, bon, ça s'est bien passé quand même. Hein. On a bien mangé d'ailleurs mardi, mercredi, c'était très bien, n'est-ce pas? Bon, voilà. Donc, je voulais aussi, je vais remercier, à moi, je donne la parole, si vous voulez, M. Collard, vous nous dire quelque chose peut-être, avant que je continue. Ah ouais, il y a même préparé un petit papier, moi je parle de texte, je n'avais pas préparé un papier. J'ai préparé plutôt un pamphlet. Tout d'abord, permettez-moi d'excuser notre président qui devait venir, M. Lorme, qui était avec vous l'année dernière, et donc il a envoyé le secrétaire général. Aujourd'hui, il est à Dijon. Alors, je voulais aussi vous remercier, vous tous, c'était vous, M. le président, d'avoir choisi notre centre pour faire vos exhibitions. J'ai eu la chance de voir hier. M. Neveu m'a expliqué un petit peu le déroulement, mais je dois dire que oui, j'ai un peu mélangé tout ça. Enfin, j'ai bien compris que c'était compliqué, puisqu'il y avait le poids de l'avion, il y avait les vitesses, et tout ça, c'était prévu pour la journée entière. On pouvait tout ensuite changer le poids, les petits réglages, etc. Donc, ça demande, je crois, un sport, je qualifierais le sport loisir, mais j'ai bien l'impression que ça doit bouger énormément dans les petites têtes. Il faut de la cervelle pour faire de... C'est ça, hein, très technique. Et puis, j'ai surtout aussi entendu, les prix qui sont donnés sont surtout, j'appellerais, des prix couple, puisqu'on m'a bien fait remarquer qu'il y a l'avion, mais il y a aussi le pilote. Le pilote sans l'avion, c'est rien, et l'avion sans pilote, ce n'est rien non plus.
Or, c'est l'ensemble, c'est bien sûr M. Neveu, qui fait qu'il y a les premiers et là, les derniers. Donc, j'ai apprécié effectivement de voir et là, s'y mettre, etc. Donc, pour vous, c'est insignifiant. Pour moi, c'était un petit peu. Pas dans nos vies, dans le domaine, je n'ai jamais pu apprécier ça. Et là, j'ai regardé ça de près et de loin. Et de loin, c'est encore très bien, parce qu'on a l'impression de voir véritablement un œuvre. Donc, je vous remercie d'être venu et d'annoncer que vous allez continuer de venir. Si Dieu nous réveille. Nous essayons effectivement de vous accueillir dans de bons locaux, vous l'avez vu, et puis nous investissons chaque année un petit peu plus pour que vous puissiez faire votre loisir sport dans de bonnes conditions. Cette semaine, les travaux sont également démarrés pour prolonger la piste à l'intérieur du centre. Nous avons la piste et nous allons la prolonger de nouveau. Je félicite bien entendu tous ceux qui m'ont gagné quelque chose. Je pense que c'est tout le monde. Et j'avais quelques mots à dire, alors ça sera plus plutôt à vous, M. le Président. L'année dernière, notre président, vous avez promis une aide financière pour la location d'un terrain qui vous revient effectivement cher. Enfin, pour oublier qu'on est en Auvergne. Et donc, nous avons fait le nécessaire auprès de la direction du CETA, mais vous savez qu'actuellement, le CETA est sensiblement, je dirais même fortement attaqué par ses concurrents. Vous avez vu qu'on a sorti une nouvelle cigarette, il a fallu l'arrêter rapidement. C'est une guerre de l'administration politique. Et les médias nous attaquent énormément aussi dans la sponsorisation. Alors, le CETA actuellement est plutôt gêné pour sponsoriser des manifestations comme la vôtre, nous l'avons demandé. On ne sait jamais la répercussion que ça va avoir sur le média. Est-ce que ça va être bien pris ou est-ce que ça va être pris dans le sens d'une récupération pour cacher éventuellement d'autres choses. Donc on essaie de voir actuellement comment on pourrait contourner le média. Et je pensais avoir une réponse hier. J'ai eu effectivement un coup de fil hier et tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons rendez-vous avec le directeur général le 16 juillet et que ce point de sponsorisation pour vous est à l'ordre du jour. Donc il faut essayer de continuer. Néanmoins, nous, Mutuelle des Tabacs, nous vous ferons le maximum pour vous aider toute l'année, puisque je tiens aussi à dire, si vous m'avez déjà fait, que nous nous rencontrons fréquemment, M. Marmeleu et vous, M. Grégoire. Nous avons d'ailleurs eu la chance d'aller chez M. Grégoire lui-même, excusez-moi, et d'avoir travaillé une journée pour voir justement dans le cadre d'une sponsorisation autre. Donc pour bien vous montrer que ces gens, ce club, travaillent réellement toute l'année. Toute l'année. Et lorsque je vous dis qu'on prépare déjà l'année prochaine, ça fait une place. Alors donc, j'ai mon petit pense-bête pour ne pas oublier. Moi, je voulais surtout remercier effectivement M. et Mme Leveu pour le travail qu'ils font avec leur président. Et le président. Alors, le président, je crois qu'on lui réserve quelque chose après. Oh. Tout de suite? Tout de suite. Alors, Anne Berland, je vous réserve quelque chose. Je crois que c'est la facture, ce que j'ai. C'est la surprise, mais c'est vrai que vous êtes vraiment ce qu'on appelle un dévoué bénévole. Ah oui. Et donc, nous avons tenu à vous faire, de la part de la NPA en entier, un souvenir. C'est bon. C'est bien tout ça qu'on a fait. Peux-tu recommencer la vie, s'il te plaît? Non, 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 non. Ouais. C'est pas de forcé, hein. Merci. Merci. Nous avions donc raison de choisir Anne Berland pour offrir le petit souvenir, puisque la vie est de rigueur. Voilà. Merci beaucoup. Je vous repasse le micro tout en vous remerciant à nouveau d'être parmi vous ici. Dans notre centre, et sachez que la porte vous est ouverte toute l'année. Vous pouvez venir quand vous voulez, on vous recevra tout le monde. Hein? Eh bien, c'est pas gentil.
prochaine, je crois qu'on a vu avec le directeur pour vous faire effectivement un lot spécial qui serait du type d'un séjour à Saint-Aubin. Ouais, hein. Ce que j'ai lui dire, on se plaît à Saint-Aubin. On se plaît à Saint-Aubin. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Voilà, alors vous allez tout savoir.
j'ai une petite valise offerte par le club des Ramiers, une valise commémorative de la Coupe européenne. Hein? Et ce sont des bagages Savevac, vous allez en voir tout le long de votre visite. Alors, mon ami Dumonti a eu un an d'abonnement à RCM. Voilà, il aura de la lecture pour une année. Le deuxième, c'est Jean-Louis Guillon-Bart. Là aussi, c'est un petit... Par monsieur et madame. Voilà, fait une petite bise à madame. Il y a le couple secrétaire du club. Alors, un abonnement à RTL aussi. Et la valise, bien sûr. Patrick Arnaud. Patrick Arnaud. Ça va peut-être lui servir parce que figure-vous que lundi elle part pour un voyage au long cours, elle fait la moitié du bloc. Voilà. Et Philippe Niau. Quand on fait un peu ton calcul de points, on arrive à te repérer.
Bon, ben, le premier, c'est un habitué. C'est un habitué. On a évidemment, ce sont les meilleurs. Faut pas se voler la face. Pas de doute là-dessus. Mais ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs qui se défendent bien quand même. Vous avez vu les nouveaux. Il y a quelques gens qui sont là de nouveau. Ils n'épargnent pas leur peine pour vous donner des tuyaux, pour vous quitter, pour reprendre des ponts, parce que certains ne savent pas les vendre, c'est vrai que c'est un art. Et ils sont toujours là pour nous guider, pour se rendre utile, le mot que je cherchais, et pour aider les planeuristes, les pilotes qui sont aussi confirmés qu'eux. Et ça va, ce compliment-là, en premier lieu, à la Laurie Jean-Pierre. Pas mal pour avoir ce que vous voyez là derrière vous. Mais alors on me demande des comptes.
Et il faut évidemment que les billets soient pris ou tout ce qu'on vous offre. Si c'est des choses à transformer en bon d'achat, il faut qu'ils soient. Il faut que ça revienne chez les commerçants qui les offrent. Donc vous arrangez pour que ce soit pris. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà. On est au voyage à Inter, après une gravure de la ville de Châteaubriand, une lithographie. Ah, joli ça. C'est des gravures de Thomas Bibi, qui est un beau tronc, qui a dessiné au crayon, à la plume, toutes les choses belles qu'il y a dans la Beauce. Et puis la Beauce, c'est plein, mais il y a quand même de belles choses dans la Beauce. Et puis une valise, bien sûr. Hein. Voilà. Bien, le troisième, ça c'est un monsieur qui vous aide tous aussi. Malheureusement pour lui, il court un petit peu moins vite, mais quelle efficacité qu'il a, verbale. Il faut l'écouter, c'est monsieur Odet Jean-Claude. Et évidemment, c'est des batteries qui ont des performances assez intéressantes, c'est détecté, hein, c'est ce que je voulais dire.
effectivement, elles sont beaucoup plus légères, elles durent beaucoup plus longtemps, elles ont un ancrage plus fort. Et alors, ce bon d'achat, ça aussi, il va falloir absolument le prendre. Hein. Le bon d'achat est quand même de 633 francs. C'est quand même un très joli bon d'achat. Hein. Hein. Alors, ça coûte des arrêts. Non, c'est bon, je pense pas que moi. Non, non, c'est pas bon. Non, on a mis le tampon, on a mis le tampon. Vous avez vu même les tout petits écussons qui m'ont fait, quand la décision de la Coupe européenne, c'est marqué dessus. Bon, eh bien voilà. Vive la 6e Coupe européenne. Et je vous dis à l'année prochaine.